Clap de fin. Après 26 ans d'antenne, l'émission Les Amours, diffusée sur France 2, a fait ses adieux aux téléspectateurs. C'est en mars dernier que France 2 a pris la décision de ne pas reconduire son émission culte. Dans celle-ci, des animateurs phares du petit écran se sont succédé dont Patrice Lafont, Tex, Bruno Guillon ou encore Jean-Luc Reichmann. Sur son compte Instagram ce samedi 21 août, l'animateur des 12 coups de midi a souhaité rendre un ultime hommage à l'une des émissions qui a le plus compté dans sa carrière. Cher Bruno, cher Tex, très chères équipes des amours. Si est-il en 1995 quoi débuter cette merveilleuse histoire qui se termine aujourd'hui. Merci 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 à tous et surtout un énorme bravo ou pour ce magnifique parcours, a-t-il écrit en légende de sa publication. Pour l'illustrer, il a réalisé un montage photo des animateurs qui sont passés sur le plateau. Un bel hommage qui a rapidement été salué par ses abonnés. Des images émouvantes. Pour faire ses adieux aux amours, Bruno Guillon a préféré ne pas prononcer de discours. Ainsi, il a livré un bouleversant message sur des pancartes, outil phare du jeu. Voilà. C'était la dernière des amours, a-t-il d'abord montré. J'ai pas les mots. Au nom de toutes les équipes qui ont travaillé pour vous distraire depuis 1995, merci, a-t-il ensuite écrit. Pour finir, il a souhaité rappeler un message important, et surtout. Aimez-vous, ont pu lire les téléspectateurs. Des écritures qui ont défilé au rythme de la musique All You Need Is Love des Beatles. Très touché par cet adieu, Bruno Guillon a eu beaucoup de mal à contenir ses larmes. Pour rappel, cela fait seulement 3 ans qu'il est à la tête du programme. Il succède à Tex, qui avait été aux commandes pendant plus de 18 ans. Nul doute que cet ultime numéro a été très touchant pour les animateurs mais aussi pour les téléspectateurs. Bruno Guillon, quel programme va-t-il animer? Suite à l'arrêt des amours, Bruno Guillon sera à la tête d'un nouveau jeu intitulé Chacun son tour. Celui-ci sera un mélange d'un divertissement de culture générale italien puis d'un format allemand. Le but? Les candidats devront répondre à des questions tout en jetant des boules dans des trous. Une nouvelle aventure pour l'animateur, que les téléspectateurs pourront découvrir dès ce lundi 23 août sur France 2.